J'ai essayé tous les conseils, mais ça ne fonctionne pas. On dirait que on ne peut pas éduquer mon chien. C'est le thème de notre vidéo du jour, de notre défi une vidéo par jour pendant 30 jours pour répondre à vos questions sur l'éducation, le comportement et vous aider à mieux respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Christian qui nous dit « J'ai tout essayé pour que mon chien arrête de tirer en laisse et malgré toutes les méthodes que j'ai mises en place, ça ne fonctionne pas. On a l'impression que mon chien ne comprend pas. » Et j'avance pas sur ce problème. Alors avant d'aborder ce sujet, qui est une question ou une opinion parfois qu'on entend, que tel chien n'est pas dressable, n'est pas éducable, ou qu'on a tout essayé et que en fait c'est pas possible, ça ne marche pas. J'aimerais énumérer les choses que vous avez essayé, Christian, et que vous m'avez mentionné dans votre mail. Vous avez essayé de demander le calme avant de partir. Vous avez essayé, lorsque votre chien a tendance à trop tirer, de vous stopper et de faire demi-tour. Vous avez essayé de le canaliser avec des positions assis, couché, debout, avant de repartir. Vous avez aussi opté pour la méthode 50-50, c'est-à-dire que un coup je te laisse sentir, puis une fois non. Mais en fait, vous parvenez à la conclusion suivante, que rien ne fonctionne, rien n'est vraiment convaincant. Alors pour être clair, je ne vais pas vous faire le couplet de « pas besoin d'aller voir un dresseur » et acheter ma formation en ligne. Je pense que vous l'avez déjà assez entendu, surtout si vous suivez notre chaîne, dans des pubs qui passent juste avant ou après. Les tutos YouTube et les formations en ligne ne remplaceront jamais l'expertise d'un professionnel en situation réelle. Alors, je ne vais pas vous dire que ça ne sert à rien. Nous aussi, vous l'avez vu, on donne des formations. On a Respect Dogs Academy, formation sur la marche au pied, sur le rappel. Il y en a d'autres même qui vont venir. Mais ces formations-là, il faut les prendre comme un bon livre au final, avec quelque chose de peut-être encore plus pédagogique, puisque vous avez des vidéos explicatives. Mais elles ont aussi leurs limites. Certains cas, et c'est assez fréquent, de rééducation, ou des cas un peu plus difficiles, où on a essayé comme vous plein de méthodes qui n'ont pas fonctionné, vont demander une expertise un peu plus poussée et un savoir-faire qu'il va falloir vous montrer en réel et surtout que le professionnel doit adapter à votre chien parce que il sait éperdument en arrivant que ce que vous faites avec ce chien-là qui marche avec un autre ne fonctionnera pas et donc il va savoir tout de suite adapter la méthode. Donc la limite, elle est là, c'est que dans les formations en ligne, dans les conseils, on vous donne des choses générales qui parfois fonctionnent, mais il n'y a pas qu'une façon d'obtenir un résultat. Et parfois, ce qui fonctionne avec l'un ne fonctionnera pas avec l'autre. Et le problème, quand on commence à essayer plein de méthodes différentes, c'est que si on n'a pas tout à fait le savoir-faire pour les mettre en place, eh ben on va parfois griller des cartes qui pourront pas être utilisés plus tard. Donc, un conseil que je veux vous donner, si vous vous retrouvez dans le même cas de Christian, quand vous commencez à essayer une chose, deux choses, et que vous voyez que ça fonctionne pas, arrêtez, faites appel à un pro en vrai, car même si le contenu de formation en ligne, de tuto, va vous aider à comprendre des choses, on peut faire pire que mieux si on s'entête. Nous, quand on intervient chez des clients, on demande à l'avance de remplir un formulaire d'évaluation. Vous pouvez le voir sur notre site internet. Et on demande quelque chose de très détaillé sur le comportement du chien, ses habitudes de vie, ce qui est déjà acquis ou ce qui a été mis en place. Et quand on arrive chez des gens où on a déjà vu un éducateur, deux éducateurs, trois éducateurs, quatre éducateurs, et c'est pas si rare que ça, on sait qu'il y a des choses qui ont été mises en place, mais pas forcément d'une bonne façon. Et là, c'est plus dur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous rencontrez une difficulté particulière avec un chien et vous semblez bloqué, alors j'aime vous apporter des solutions dans les vidéos, mais je n'ai pas envie de vous faire croire qu'on peut tout régler avec des vidéos sur internet. Et j'espère que vous saurez faire appel à un professionnel compétent si c'est nécessaire, que ce soit de notre équipe. Mais il n'y a pas que nous, il y a d'autres professionnels qui sont compétents, bien sûr, dans le métier. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter si vous pensez qu'elle peut être utile. À bientôt pour une autre vidéo.